prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Important. Vraiment, en tout cas, mes fils s'appellent bien son beauté, une puissance.
la concert avec le 30 juin. Depuis ça, tout à la commande est à vous la concert. Dans la part Congo, dans la grande bande Bongo, il y a qu'un pan, il y a bien vraiment concert, il y a réunification, il y a réconciliation. Vu que le concert, nous y a bien, bien depuis ça, en tout cas, nous sommes bien ligne. Merci beaucoup. En tout cas, je vous assure que ça va vraiment cartonner, mes amis. La journée du 30 juin, la mise en jour s'impose. Donc, Wenge est au grand complet à Kinshasa. Les présentations, elles seront individuelles. Conseil bloqué de 30, professeur Bano Nyonso, Kwangu, Masimandi, ma belle Nyonso, Namfinda, ou Nabé, nous poussons à Kinshasa. Parce que pour le 30 juin, Wenge Musica, tout est 4x4. On est fondateur Didier Massela, on est président Julien Piana, on est Moutalamou Ransom. Wenge ya Prince Ali Makaba, Wenge ya Bete Nyonso Blaise Kula Dolph Dominguez, Bete Nyonso Bete Kelawa, Vedi Moutou Kouti na Fe. Bete Kousa Bete Kouna Mzige Bete Taki na Mbote. Merci. Tout ça m'a tourné, merci Mimi na Bate Nisater, na Président Jibé, na Président Ransom, na Ali Makaba Prince et puis na Didier Massela. Ils ont voulu que tous les gens qui sont venus à la qui est vraiment, maintenant ils sont dans la banque et puis, tu es vraiment pour tout ça, la banque, ce plaisir. Et puis, l'ingénieur, c'est le bon écoute à Adolphe Dominguez, à la Zaba et à Yahoo, qui est tout ça, la source vraiment, Bana Kin, Bana Monde entier, David et Jou, on a, on explore bien sûr la salle, la salle est minime, où ils ont, Martyr, dont la roue, c'est les allagraphes, dont Maya est béni. Et aller le groupe à Nzambe à Zali. Là, on a signé la Congolais Nyonso.
Dès le 30 juin, le monde est excellent, le monde est là, et il y a moi par phase. Mais, il y a des tribunaux qui ont été en train de se faire. La musique est en train de se faire, mais il y a un monde qui est en train de se faire. En tout cas, le lot, le monde est en train de se faire. Ici le programme, mon père, mon congé.
Oui, mon petit MPG Cappuccino. Petit du cœur, tu es un soldat pour moi. Joyeux anniversaire, mon petit. Je découvre que c'est ton anniversaire. Je ne pouvais pas laisser ça passer comme ça. Je te souhaite de bonnes choses. Surtout, continue le boulot. Tu es un soldat. Que le bon Dieu te protège, qu'il te comble encore d'inspiration. Que la vie soit belle pour toi, mon petit. Allez, nous sommes ensemble. Big up. Spécialement pour vous, pour votre anniversaire. Je dépose tout simplement pour vous servir. C'est un plaisir. Très bon anniversaire, monsieur Cappuccino LBG. Sous les signes de la fête de l'indépendance, bien sûr. Et puis, en prélude de ce grand rendez-vous de Wenge 4x4, tout terrain, concert de l'unité de réconciliation, l'artiste musicien Borel, Monsieur Borel, organise un festival de 3 jours, festival qu'il a dénommé Wenge 4x4, tout terrain, c'est pratiquement pendant 3 jours, du 24 au 26 juin, ici à Maisha Life, à Lingwala, pour déjà vous mettre dans le bain, dans l'ambiance de ce que sera l'événement de ce qu'on joue au Stade Martyr. M. Borel va interpréter pour vous toutes les chansons de Wenge, fanatiques de Wenge, amis de Wenge. Bien, rendez-vous pendant 3 jours chez M. Borel, avec tout son groupe, pour déjà célébrer la réconciliation de Wenge du 24 au 26 juin. Vas-y, bonjour à Papa Griff. Bonjour, Papa Griff. Bonjour, maman. Bonjour, Titi les Valois. Bonjour, les Valois. Bonjour également à Chaka Congo. Merci d'être avec nous sur le plateau du Caribou. Variété tout à fait spéciale. Alors, ça peur de ta bonjour. Oui, mon chef, maman, il est là. Donc, d'abord, on a souhaité Batobazo soutenir. On a les parents de la ville. Le président Aaron Ilunga Mbote a trop bon retour au pays. Le président Aaron Ilunga, pourquoi pas le président Samba Bajili, autorité morale de la SAP. Donc, merci à toi, ma générale Kassongo, pour sécurité. On a vu qu'il y a un stade de martyr où Amadou Djabi, le président Samba Bajili, va s'organiser le 30 juin pour la Bamakamba Wenge et que ça va quitter au Makassi. Donc, en présence, il y a Papa Griff, sa père d'état magistrat suprême de la SAP, la présidente, M. Akalou Variété, des Akara juste pour que. Nous avons aussi Yali Bosso, nous avons présent Samba Bajili pour recruter les sapeurs au Baroya parce que jour où on a ça. Donc, on a 30 minutes où l'organisateur va pour soutenir aussi Wenge Musica, la cadre idéologie à forme, à tel que petit à papa, petit à Nyarkos, petit à grand-père Benz Bozo, aussi à petit à Kester. Donc, ma sapeur à Braza, avant le 25, nous avons commencé pour Yamikili Bazo à 20, Yassifa Baroya 20. Il s'est fait un kina de Rosa 20. Mais petit, on peut pas débrouiller. Bah, venez là-bas. Mais moi, parfum, peu à l'aise à la paix vraie. Bah, là, taper bilamba bien. Donc, voilà, ils allaient le message à l'Igosso. Oh, on a Katia Kini. Donc, on a répété à na boulevard du 30 juin, na 13e rue industrielle, place Batia Bajé à Bana, na parc à Kinshasa. Donc, on a chaque samedi, dimanche, on a préparé Makamo garde-robe. À Prometta Gazo Salamou, il y a le 31 juin ou le 31 décembre, où il y a Robeta, na Stalmania, place Bakumba Kache Bagaraka, contre-attaque génération Papa Griff Lingantchete, orchestre mondial patrimoine international, nous laissons quoi. Donc, dans Robeta Kuna, donc, pour
4, na sima Suzanne là, na invité général Kasson, on a invité ministre Moderu Timba, ministre Maman Catherine, na, honorable Nani Jean-Marie Lukulasi, donc on a béni Dirka Belianza, il y a Excellence Patrick Mouyaya, donc Batou tout, Baya Lelo à partir à 16h, dans Zoubéliana, dans mon délai, pour la démonstration forte. On va parler du Trump Soy Production. Le producteur national est à Bounia. L'opérateur culturel organise une grande soirée culturelle honorifique pour la première fois dans la province de Lutourie. Ce sera le 30 juin à l'espace Gare du Nord. Vous qui êtes à Bounia, vous connaissez l'endroit. Trump Soy Production s'y trouve. Rendez-vous le 30 juin à l'espace Gare du Nord. Alors, il va voir. C'est un quart d'essai. La jeunesse est la force de demain. C'est cette jeunesse qui est censée diriger ces pays lobby. Alors, comment on va payer les gens rapidement, tout le monde va la beauté. L'idée, Ming, Oyo, jeune, la cité, il y a souvent la musique, il y a souvent la théâtre. Mais pourquoi pas, à niveau technologie, à niveau armée, l'idée, il y a ma casse, pas piment, pour ma jeune malade. Soutien la grande année. On dit, pourquoi la musique est menacée? Pourquoi la musique est menacée dans l'Est? Est-ce que les arabes sont parce que. Sera communiqué ultérieurement. Il y a aussi le chanteur Bovic du groupe Madi le Système, qui vient de perdre son épouse, Maman Apo Dipos, depuis ce jeudi. L'inhumation est prévue pour ce 22 juin au cimetière de Kitambo. Pour le moment, le deuil de la femme de Bovic se tient sur la commune de Kinshasa, avenue Tchouapa, numéro 125. Chaka Kongo, bonjour. Bonjour. Bonjour, le Soussou. Bonjour. Qui est le secrétaire général à Révoque. Alors, moi, je suis le Alors, tous les artistes confondus. Il y a des fanatiques qui ont préparé une marche pour la gare centrale, l'ambassade de Rwanda, pour les mémoires d'Abissot. Parce que tout le monde a dit que le Congo ne va pas s'arrêter dans le cas où il y a un monde qui est. Si tu as un monde qui est sur le balade, ça va bomber. À boire la voix dans la mona pendant la mort parce que tout l'ennemi vraiment ma marche le marche tout le monde stratégie le marche les alliés tout le la gare après gare pour que nani n'a côté à venir mais mon ambassade à Rwanda pour voir les bacs artistes vraiment bas côté du Cameroun tout le monde artiste nous tout c'est j'ai y a pas ses alliés même élan toyé en tant que congolais dans le cadre de la révolution culturelle pour te revendiquer titre de propriété na biso sur la République démocratique du Congo. Donc, présent ça, ça peut aussi déjà l'essentiel.
essentiel, il y a un message, je ne vous prends pas beaucoup de temps. Alors, c'est l'affaire de tous les Congolais. Moutouna Moutepa Yazali a développé ce que nous pouvons appeler, Moutouna Moutepa a augmenté le coefficient de la citoyenneté congolaise à travers ce soutien au FARDC. Merci. Retour en image avec ce jeune artiste Bisou Lionel Messi qui sera bien sûr là lors de cette marche de tous les artistes et musiciens qui revient de Dubaï avec dans ses bagages l'album Mangolé, dont la chanson phare s'intitule Mangolé, que nous dédions aujourd'hui à vous tous qui nous suivez depuis la ville de Goma. Bien. Les femmes fortes de la MCC se souviennent de Charles Mombaya. Allô, 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 téléphone. Oui. Oui. Allô, téléphone. Oui. Et au final, là, quand on vient à mi-temps, on va connaître que son nom, on va connaître la vie, avec les Kunda Sister. Et cet hommage à Kunda Sister est bien sûr soutenu par l'honorable César Bassotti Angoyi, le Boko et Anzambé. Je reçois une dame, Madame Bélange Bilendo, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargée des relations publiques de Techno, c'est bien ça. Merci. Et là, vos Techno, c'est une société qui est implantée en RDC depuis 97, c'est ça? Depuis 2017. 2017, vous vendez des téléphones. Oui, nous sommes une entreprise de téléphones. Et là, vous avez une innovation. Oui, de quoi s'agit-il exactement? C'est le nouveau modèle, c'est la série Camon 19. Ok, qu'est-ce qu'elle a de particulier, ce nouveau modèle? Oui, hier s'est tenu le lancement officiel du Camon 19 en RDC, c'était à l'hôtel Menning. Ok. Alors, comme spécificité de ce téléphone, nous avons déjà le design. Vous verrez que vous avez un téléphone déjà assez souple, avec un design très présentable. Nous avons aussi la caméra. Pour une première fois, nous avons deux panneaux. Et dans le deuxième panneau du Camon 19, il y a deux caméras. Ça, c'est une nouveauté de Techno déjà. Et il y a la fonction RGBW qui a été ajoutée. C'est Red, Green, Blue, White. C'est une fonction qui vous permet de faire des belles photos la nuit et même dans les endroits peu lumineux. Parce et ce Camon 19 est disponible à Kinshasa, en RDC, aussi particulièrement. Il est déjà disponible et nous allons informer déjà de la disponibilité parce que nous avons annoncé, nous attendons maintenant le bon moment pour distribuer les téléphones dans nos différents shops. Et il y a une prévente qui s'est faite pour il y a une prévente qui commence demain. Alors le client a la possibilité de donner 10 dollars et lorsque le téléphone sera enfin disponible, nous allons lui informer et viendra donner le reste de l'argent et un cadeau surprise lui est réservé. Bélange Bilendo, chargée de relations publiques chez Techno, qui vient de procéder au lancement d'un nouveau modèle de téléphone, Camon. Oui, le Camon 19, avec ses particularités mystiques que venait d'énumérer, est disponible. C'est à combien? C'est à 200 dollars, mais le Camon 19 Pro, qui est la version la plus spéciale, coûte 310 dollars. Merci beaucoup, Madame Bélange Bilendo, que nous recevions, que nous parlions spécialement aujourd'hui, le téléphone mobile Techno mobile implanté en RDC depuis 2017. Alors, je me tourne du côté de Faustin Diatta. Bonjour. Bonjour. Monsieur Talent Latan. Oui. Alors, il n'y a pas longtemps, on vous a reçu sur ce plateau, parce qu'il y avait ce projet déjà de retrouver d'autres talents qui sont plein en RDC. Il y a eu le casting qui avait commencé. Où en sommes-nous à ce jour, Faustin? Aujourd'hui, déjà salut, je te salue Mamie, je salue les données. Aujourd'hui, j'ai permis à ces jeunes qui sont derrière moi d'éclore. Invisibles, qui nourrissaient l'invisible, qui vont en eux. Okay. Aujourd'hui, c'est des talents, latons, tontons, arpons, patons, voyants et vivants en devenir. Mon projet, c'est surtout, je voudrais faire une régénération de la nouvelle génération, de la jeunesse. Comme dirait l'autre, quand une génération passe, une autre remplace. Nouvelle génération, nouveau peuple.
nouvelle mentalité. Avec ces jeunes, nous allons construire un paradigme socioculturel, un groupe de personnes ressources, montrant à la jeunesse d'aujourd'hui ce qu'elle doit faire et comment elle doit se comporter vis-à-vis de notre société. Comme dirait l'autre, un clou chasse l'autre, avec eux, nous allons chasser les antivaleurs. Et aujourd'hui, j'aimerais bien préciser que je souhaiterais implanter dans toutes les communes des référents de quartier, ça serait des jeunes, parce que travailler pour la jeunesse, sans la jeunesse, c'est travailler contre la jeunesse. Raison pour laquelle j'ai associé des jeunes qui vont parcourir Kinshasa. La charité, bien entendu, commençant par soi-même, avec des référents de quartier, et par rapport à ça, travailler aussi avec des familles, parce que la famille, c'est le socle, c'est la matrice de toute société. Alors, est-ce qu'on peut permettre à ces talents latents ici présents de nous faire déjà déguster tout ce que toi tu as vu d'invisible en eux et que le public peut voir aujourd'hui? Et nous commencerons, merci mamie, nous commencerons déjà à passer un message par rapport à nos forces armées, la démocratie, la République démocratique du Congo, à travers une chanson. Qui est intitulé comment après. La chanson Phare. Allez-y, allez-y, les enfants, nous sommes en direct. Dans la Lanta, soutien au Phare d'essai à travers cette œuvre musicale. Sandrine, par ici, s'il vous plaît, rapidement, merci, merci pour tout ce que tu fais, merci pour ce travail formidable qui est, tu trouves à tes côtés des jeunes talents, plein de talents, et bien, on vient de les vivre à travers ce titre qui sera très bientôt disponible pour soutenir, bien sûr, le Phare d'essai. Mais c'est pas fini, hein, on va se retrouver, bien sûr, sur ce plateau. Ok, merci. Alors, dis bonjour à Sandra Offonti, bonjour. Bonjour. Journaliste à la RTLC Quill, c'est ça? Oui. Et là-bas, tu fais des émissions des variétés, Cité des Stars, oui. Qui aussi à la radio, avec Femmes et Développement. Voilà. Et aussi, journal parlé, télé en ligne. Qui Congo à Lingala? À Lingala. Alors, sans Oboni, sans Oboni, même sans la Quill. Malin, maman, mani, la coupé, ça n'a pas été bidé là. Juste la gouverneur Prince Kouilou, puis je m'appelle sous la directrice Martine Sekouilou, pour la sans-mouvement, la mémélie, pas la boca et abandonne. Juste, il y a que ça, là, de toute façon, que nous l'ayons à tel savoir à tout moment que l'émission sur les stars, ils allaient juste là, une langue, ou ils allaient carrément vous arrêter, qu'est-ce que ça. Et puis, deuxièmement, là, aussi, il y a des sous-sous. La bande de collabisso de ce monde pour soutenir la bande de collabisso au bazar juste là où la pardon la côté est au basso mon passe vraiment la bitouma au basso pour faire tout soutenir bango juste pour la sens que vraiment côté qu'on a et ça là va se gâter donc tout ça toujours et le monde là bango Sandra Offonti voilà Sandra Bachoko
Merci d'être en séjour à Kinshasa. Vous continuez ma solo, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, on va rapidement clôturer l'émission en recevant Armand Boka. Bonjour. Bonjour. Alors, nous parlons d'un festival. Oui, le Festival International de Massima Nimba. Ngometu. Voilà. Première, deuxième, troisième. Première édition. À Massima Nimba. Wow. Du 6 au 9. Et ça coïncide avec la célébration du centenaire de ces territoires. Voilà. Et c'est donc toute la communauté à travers le monde qui va arriver. Et les délégations se signalent déjà. Il y a des centenaires. Les centenaires, avec, bien sûr, couplé au festival international qui a sa première édition. Donc les délégations se préparent déjà à arriver. Devis Salsero va arriver. Okay. Il y a les Allemands, l'orchestre allemand qui pointe avec Pacho Star qui va arriver. Du 6 au 9 juillet. Au 9 juillet. Et donc, entre-temps, les délégations sur place à Massima Nimba se préparent pour accueillir ces grands événements. Et c'est donc dans le cadre à soutenir le projet du chef de l'État de développement à la base avec les 145 territoires. Mmh. Et c'est donc une grande communauté, congrès Massima Nimba, des ressortissants, habitants et des amis de Massima Nimba qui sont disséminés à travers le monde, qui se sont mis ensemble justement pour booster le développement de leur communauté, donc à travers cet événement qui est donc un appel qu'ils viennent de lancer pour la communauté nationale. Merci. Bon, le Koulou est avec nous, on est avec la journaliste, mais aussi avec ce festival à Massima Nimba, festival de Koulou à Massima Nimba, au pays de la ministre Antoinette Kipolo Kabenga. Ce sera du 6 au 9 juillet 2022. On va terminer, on a fini. Fécho Kabenga, il faut savoir que c'est la fin de cette émission, c'est la fin du Pervertie de ce dimanche. C'était un plaisir pour nous de vous avoir très nombreux sur ce plateau. Merci pour Faustin Jatin, encore une fois, pour les talents d'antan. Bon séjour à Kinshasa, notre conseil. Sandra Ofonti de Artens Equilo. On se retrouve à Massy du 6 au 9 juillet à Massima Nimba dans le Koulou pour ce Festimas Ngometu première édition. Au revoir et prochain rendez-vous avec l'actualité musicale dimanche prochain, même heure, même chaîne. Et nous recevons pour vous mon sénateur Félix Assek. Au revoir. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.